Bonjour, mais bon voilà notre rendez-vous quotidien. Donc on a eu quand même, je reviens parce que bon, on a eu deux matchs de championnat, un match face à Granollers et l'autre face à Aragon. Je pense que après une semaine d'international pour se retrouver la complicité, le fond du jeu qu'on a toujours développé, bon, on a eu quelques doutes, même si ça s'est bien passé. Ensuite on a eu deux matchs avec ma sélection, un match contre la Lituanie, un match face à la Turquie. Je pense que toute l'équipe n'était pas au complet, mais l'équipe qui était, c'est une équipe qui sera amenée, disons, dans le futur à trouver des complicités. Je pense que voilà, on a montré qu'avec un peu en restant sérieux et concentré, qu'on veut faire des bonnes choses. Je pense que ce sont deux matchs quand même très intéressants pour préparer aussi le mondial qui va se présenter en mois de janvier. Donc je vais vous présenter aujourd'hui mon capitaine, Victor Thomas. Je pense que, alors voilà, je n'ai pas grand chose à dire, mais je pense que je vais le laisser se présenter et dire ce qu'il a à dire en tant que capitaine. Bonjour à tout le monde, je suis Victor Thomas, un grand ami de Tchouf. Et je vais parler espagnol, c'est mieux pour moi. Vale. Me acuerdo los primeros días cuando Tchouf vino a Barcelona. Intentaba hablar con él para que él se sintiera mejor a Barcelona, pero él es así un poco tímido siempre y me acuerdo que él había firmado un tiempo antes de venir a Barcelona y yo esperaba que él hablara un poquito español y fui a hablar con él. ¿Qué tal, Cedric? ¿Cómo estás? ¿Ya hablas un poco español? No. Y bueno, un poquito de inglés, ¿puedo hablar contigo? No. Bueno, pero ¿no has estudiado nada de español? Me mira así. Me dice, no, y se va. Y la verdad es que yo me quedé un poco con la cara así de, bueno, pues otro día ya podré hablar con él. Entonces empecé a practicar mi francés.